Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a un peu plus d'un an quand j'ai commencé mon travail d'auto-entrepreneur en tant que graphiste et illustrateur où j'ai été victime d'une arnaque sur internet. Donc, tout commençait bien et en fait j'ai reçu un mail d'une certaine personne nommée Thierry Varichon, qui est certainement pas son identité, et qui m'a envoyé un mail sur ma mail perso en me demandant si j'étais intéressé pour réaliser des affiches. Donc bien sûr, moi en tant que première expérience, j'ai foncé tête baissée et je lui ai dit « il n'y a pas de souci, je suis disponible pour ce projet. Dites-moi-en un peu plus concernant le projet, des informations complémentaires, notamment par rapport à la réalisation de ces 4 affiches. » Donc voilà, tout se passe plutôt bien dès le début. Il m'envoie pas mal de renseignements concernant les affiches. On parle un petit peu budget. C'était 250 € l'affiche. Ça faisait 1 000 € pour les 4 affiches. Largement suffisant pour moi. Donc de ce point de vue-là, c'était vraiment parfait. Il avait une deadline qui était à peu près d'un mois. Donc pour 4 affiches, cela me semblait assez raisonnable. Je lui ai dit que je validais tout ça. Il n'y avait pas de souci. Et voilà, donc au fil de la conversation, donc, je lui ai demandé un petit peu plus d'informations et lui demander un gros briefing concernant les affiches pour savoir un petit peu les détails, les informations qu'il fallait mettre sur les affiches, etc. Donc il y en avait une qui était pour des retrouvailles d'anciens élèves du lycée, qui m'a même donné l'adresse. Un jeu concours de billard. Ensuite, il y avait une collecte de dons pour les démunis qui était censée être pour l'UNICEF, en faveur des orphelins. Et ensuite, une soirée dansante autour du thème de l'amitié et de la rencontre. Donc pour moi, c'était assez clair, je ne voyais pas du tout d'informations ou de choses qui auraient pu me donner un déclic et me faire me méfier de ce genre d'annonce. Donc j'ai continué à lancer sans vraiment aucune méfiance. Ensuite, il m'a demandé de lui envoyer un RIB pour que le virement puisse se faire une fois la réalisation des illustrations. Donc tout se passe bien, hein. Je commence à réaliser les 2 premières illustrations. Il m'avait demandé si j'avais besoin d'un acompte ou si la personne devait payer la totalité une fois que les 4 affiches étaient réalisées. Donc moi, pareil, hein, j'ai fait confiance, donc je m'étais dit, il n'y a pas de souci, j'ai pas vraiment besoin d'acompte. Si tout se passe bien, je vous livre les 4 affiches et puis ensuite vous me payez la totalité une fois que c'est terminé et que c'est envoyé. Il me donne vraiment carte blanche sur la réalisation des affiches, donc je me suis dit bon, il est assez quand même exigeant sur le brief, mais ensuite pour la réalisation, il est assez ouvert, donc pour moi pareil, hein, j'ai continué avec une grande naïveté. Donc les échanges se passent, bien sûr je le tiens au courant de l'avancée des illustrations, et c'est là où les choses deviennent intéressantes. J'ai reçu un mail assez bizarre, il revient vers moi en me disant « Je viens vers vous tout confus, j'ai demandé un acompte de 250 €, je demande si le virement a été bien, donc déjà bon, il manque un mot. La comptabilité me notifie que c'est fait en ligne et qu'il y a eu une erreur lors de l'émission, donc vous recevrez 4 250 €. Je suis très confus, je vous propose ce qui suit. Le virement étant parti et ne pouvant être annulé, étant donné que nous devons aussi payer notre plaquiste ce jour, je vais informer notre plaquiste que vous lui ferez un virement semaine prochaine une fois l'argent sur votre compte bancaire. Une fois l'argent sur votre compte, m'envoyez un message pour me notifier et en retour, je vous enverrai son RIB pour lui envoyer la différence. Et merci de revenir tôt. » Donc rien que déjà par rapport à ce mail, j'avais un petit peu un doute et je me suis dit « Bon, si je reçois les 4 250 € sur mon compte, je veux bien croire à cette histoire. Et dans ces cas-là, je virerai la différence à ce fameux plaquiste et l'histoire sera réglée. » Donc j'attends quelques jours pour recevoir justement ce virement de 4 250 €. Plusieurs jours suivent, donc 3, 4, 5 jours, et je reçois toujours rien. Une semaine se passe, donc je leur envoie un message. Bien sûr, il a insisté pour me demander si j'avais reçu le dépôt. Et je lui ai dit que non, il y a vraiment toujours rien. C'est bizarre que ça mette autant de temps pour un virement, puisque normalement, un virement de banque à banque, même si c'est différentes banques, c'est maximum 48 heures, voire 72 heures. Et c'est vrai que ça m'a paru un petit peu bizarre sur ce fait-là, mais bon, j'ai pas plus creusé la question. Et donc, je reviens vers lui presque une semaine après, en lui disant que je n'ai toujours rien sur mon compte et que je vérifierai bien sûr tous les jours. Pendant ce temps-là, j'avais bien avancé sur les illustrations. Je venais de terminer la 3e et j'allais attaquer la 4e, sauf que par rapport à cette histoire, je voulais attendre quand même ce virement là pour pouvoir continuer et lui transférer aussi les illustrations pour pas non plus qu'il parte avec les illustrations sans me payer. Et donc là, je lui demande de verser un acompte de 250 € pour savoir si vraiment les virements se passent bien et auquel cas, si le virement des 250 € est fait, là je pourrais me dire que le virement a bien été fait, donc il n'y a pas de souci pour les suivants.
Et là, donc, il arrive le week-end. Il me semble que c'était un samedi. Je me rappelle très bien, j'étais chez mon cousin. Je vérifie mon compte, voilà, comme tous les jours, pour voir si le virement avait été fait. Et là, je m'aperçois sur mon compte que, effectivement, j'avais bien les 4 250 € en plus. Là où j'avais pas vraiment fait attention au tout début, j'avais pas vraiment vérifié de quoi ça provenait. C'est-à-dire que soit c'était un virement, soit c'était un chèque. Et à un moment, j'ai voulu vérifier justement par quel moyen avait été fait ce virement de cette somme. Et je me suis rendu compte que c'était un chèque. Et c'est là où j'ai un petit peu compris, j'ai un petit peu ouvert les yeux en me disant « c'est bizarre, il m'a dit qu'il me ferait un virement et là c'est un chèque ». Alors ok, il a mon RIB, mais comment il a pu déposer un chèque sur mon compte ? Donc ça, c'était vraiment la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Mais ce qui était vraiment bizarre, c'est que l'argent s'affichait vraiment sur mon compte. J'étais à plus de 4 000 €. Donc là, je lui envoie un message et je lui ai dit « bon, écoutez, je viens de vérifier mon compte et effectivement l'argent a bien été versé. Je fais le virement de la différence dans l'après-midi. » Sur le compte, bien sûr, qu'il m'avait envoyé du fameux plaquiste, qui n'existait pas, hein, mais voilà. Et là, donc c'est là où ça m'a paru encore plus bizarre. Au moment où j'ai voulu faire le transfert d'argent, où j'ai voulu faire ce virement-là, ça m'a mis que j'avais un montant insuffisant sur mon compte. Donc je lui virai 3 250 € en gardant les 1 000 €. Le transfert ne se fait pas, en me mettant un message d'erreur comme quoi les fonds étaient insuffisants sur mon compte. Donc je réessaye l'opération, ça remet le même message. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à me poser certaines questions, à émettre des hypothèses, etc. sur le fait que ça marche pas. Aussi, on était un samedi, donc je me suis dit peut-être que le virement est validé, entre guillemets, sur le compte, mais l'argent n'est pas vraiment transféré. Enfin, bon, j'ai essayé un petit peu de me chercher toutes les excuses aussi possibles. Donc à ce moment-là, il m'appelle un petit peu en panique. Donc il me demande, voilà, est-ce que vous avez pu réussir le virement ? Je lui explique que non, ça ne marchait pas. Et je lui ai dit, bah écoutez, je vais essayer de virer des moindres sommes. Et si ça marche, bah écoutez, je vous le ferai en plusieurs fois. J'ai essayé une fois 1 000 €, ça passait pas. J'ai essayé 500 €, ça passait pas. Et donc je me suis dit, bon, on va essayer 250 €. Et là, le 250 €, il passe. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, on va faire par 250 € et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et là, donc je réessaye le deuxième virement, montant insuffisant. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 250 € ont bien été validés car j'avais bien sûr l'argent sur le compte, sauf que bah, pour les 1 000 €, etc., ça ne passait pas puisque j'avais pas l'argent sur le compte. Comment ça a pu se passer ainsi ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a eu vraiment un gros problème au niveau de la banque. En fait, cette personne-là a fait un chèque à mon nom de 4 250 € qui a été déposé sur mon compte. Et en fait, le souci, c'est que quand la banque valide un chèque, au tout départ, ils analysent la signature. Et la signature se fait à la base par un robot. Il analyse les signatures que vous ayez pu faire auparavant, il les compare avec celle actuelle du chèque que vous avez déposé. Si ça match, ben c'est cool. Et si ça match pas, il y a une personne physique qui va ensuite vérifier cela. Et cette opération peut durer quelques jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que la personne a déposé le chèque, donc à mon nom, dans une autre banque. Le temps qu'il se fasse valider, même si c'est un chèque en blanc, si c'est un faux chèque, l'argent a été affiché sur mon compte, alors qu'elle n'aurait pas dû être affichée. Et c'est là où j'ai compris que c'était un chèque. Et je me suis dit, ok, c'était un faux chèque, mais comment l'argent a pu être affiché sur mon compte ? Et c'est là où j'ai contacté ma banque en leur disant, il y a quand même une faille dans votre système, dans le sens où si une personne dépose, imaginons je vous fais un chèque de 4 000 €, mais voilà, bon, c'est un chèque en blanc, vous l'encaissez et pendant le durée de validation, la somme est affichée sur votre compte, mais dès lors qu'il a été validé comme quoi c'était un faux chèque et que du coup ben c'est pas bon, et bien en fait l'argent est retiré sur votre compte entre guillemets, mais en fait elle n'y a jamais été, sauf que sur l'application et sur votre compte elle s'affiche bien. C'est ce que j'ai dit à ma banque, si les 4 250 € n'auraient pas été affichés sur mon compte, jamais j'aurais fait le transfert. Donc c'est aussi un petit peu la faute de la banque de m'avoir fait croire que le chèque avait été validé pendant ce laps de temps de validation. Je lui ai quand même fait le virement de 250 € qui est passé puisque ben oui, j'avais de l'argent sur mon compte. Heureusement, j'avais pas 4 000 €, sinon ben je l'aurais certainement fait les virements des 4 000 €. La personne au culot m'a quand même renvoyé un message pour me demander si j'avais fait le virement des 250 €. En plus, j'ai essayé de faire appel à la banque en demandant d'annuler le virement, ce qui n'a pas été possible malheureusement. Donc dans l'histoire, j'ai perdu 250 €, ce qui m'a vraiment fait chier, hein, très clairement, si je peux parler ainsi. Mais bon, en tout cas, voilà, j'avais réalisé les 3 illustrations sur les 4. La fin de l'histoire et la note positive qu'il faudra en retenir, et c'est là où je me dis que quand même les choses sont bien faites. Je m'étais dit, bon, ben, finalement, les illustrations, elles vont servir à rien, puisque ben, c'était une arnaque et je les ai fait pour une personne qui n'existe pas, pour un lycée qui n'existe certainement pas.
et pour des soirées ou des choses qui n'existent forcément pas. Donc je me suis dit, perdu pour perdu, c'est fait. J'ai choisi une illustration qui était celle que j'avais réalisée pour l'UNICEF, donc qui était un portrait d'une petite fille qui venait certainement d'un pays africain, que j'ai pris sur internet et que je vais vous montrer ici. J'ai voulu la poster en me disant, bah voilà, je suis assez fier de mon travail et je voulais quand même la poster pour mettre du contenu sur mes comptes sociaux, que ce soit Instagram, Behance. Et la chose qui s'est passée, qui était complètement géniale, c'est que, en fait, lorsque je l'ai publié sur Behance, qui est un site qui appartient à Adobe et qui référence, voilà, pas mal de projets dans un petit peu tous les domaines, que ce soit la photo, l'illustration, la 3D, voilà, à peu près tous les domaines numériques et graphistes, tout ce qui touche à peu près à l'art. Quelques jours après l'avoir posté sur ce site-là, il a été sélectionné pour se retrouver dans la galerie Adobe dans le thème des illustrations. Et en fait, voilà, c'était vraiment pour vous montrer également aussi que bah, parfois on a des mauvaises surprises, on est parfois un petit peu trop naïf, on se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Mais encore une fois, si on fait les choses avec bon cœur et avec toujours cette volonté de bien faire, même si ça aboutit pas à la fin, même si forcément on se sent un petit peu démuni et on se dit bah finalement j'ai travaillé pour rien, etc. Continuez de publier, continuez de faire les choses. Et vous verrez que vous serez récompensé, ce qui a été le cas pour moi, grâce à Behance qui a reconnu ce projet et que vous pouvez retrouver dans la galerie d'illustrations. Donc continuez d'aimer ce que vous faites, continuez de partager, n'hésitez pas à persévérer surtout. Et voilà, on vit toujours des mauvaises expériences, bien sûr qui nous forgent, il faut toujours en tirer les leçons. Alors j'en ai pas voulu à cette personne parce que ben j'imagine bien que cette personne-là elle aussi essaie de gagner de l'argent comme elle peut, mais voilà, je lui en veux pas. C'est vrai que il soutient de l'argent à des personnes qui ne voient pas forcément le mal comme moi, hein. Et c'est pas une question de vivre dans le monde des bisounours, mais c'est vrai que quand on se lance dans une activité, eh bien on a tendance à être un petit peu aveugle et à foncer tête baissée. Mais en tout cas, voilà, la finalité est bonne. Les illustrations que j'ai pu faire, je les ai quand même publiées. Ça m'a fait des vues, ça m'a fait des personnes qui ont apprécié ce projet-là. Et rien que pour ça, eh bien je peux le remercier. Donc en tout cas, ben, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Ce format de vidéo est un petit peu différent des autres, mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager cette petite anecdote. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez pu être victime d'arnaques sur Internet, que ce soit dans votre travail ou pour autre chose. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Et en tout cas, voilà, je voulais passer ce message pour vous dire que quoi qu'il arrive, si vous faites les choses bien, tôt ou tard, vous serez récompensé. Et puis voilà, aimez ce que vous faites. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Salut.